Salut les amis! Bonjour les abonnés! Il en peut plus le bout de sa vie. Et il boit, il fait chaud. Hein. 30 degrés, ils annonçaient là. Et il faut que je nettoie la voiture. Il y a des poils partout! Bon, je vous montre! Allez, je vous montre! Ah, on a été récupérer le camion, ça y est! Je suis trop content! Contrôle au cas, nickel, passé en nickel. Enfin, 2-3 petits trucs mineurs, rien de méchant. Allez, je vous montre. Modèle 2008, c'est un 2 litres 2 HDI 120 chevaux. Quand je vous dis que ça marche du feu de diable, c'est que ça marche. Je crois que 20 000 km il a. Parce que la caisse, elle a 165 000 et facture appui, moteur 20 000 environ, je crois. Voilà, hein, ça reste sobre et propre. Mais ça, je vous avais fait voir vite fait, quoi. Mais ça y est, je vous montre le derrière. Oh voilà, donc, Peugeot Boxer. Donc, c'est... Ah, on passe debout. Tac. Alors, il est tout capitonné. Ça, c'est génial. Il est isolé. Le sol est isolé, regardez. En styro dur, le sol est isolé, et les parois c'est tout isolé, le plafond. Ah, je sais pas si je vous avais montré, je me rappelle plus. Donc j'ai cette étagère enlevée, hein. Voilà. À la base il est tout isolé. Pourquoi? Parce que c'était un peintre qui l'avait avant et il stockait ses peintures et pour pas qu'elles gèlent en hiver. Donc il avait tout capitonné. Et puis on écoute, hein. Oh oh oh, c'est acoustique. Et même là, alors moi. Je voulais l'enlever, tout ça c'est isolé, écoutez. Donc moi, personnellement, j'aurais enlevé toute cette paroi là pour accéder au pare-brise et que ça me donne de la lumière. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre, et oui, il n'y a pas de fenêtre. Donc où j'ouvre une fenêtre dans la porte coulissante. J'enlève ça. Regardez, même tout. Oh, j'en sais rien si je... Il est super isolé. Hein. Le moindre coin, le gars, il a mis. Hein. Donc voilà, bon ben de toute façon c'est grand, hein. Franchement on dirait pas sur la télécommande, sur la vidéo, mais c'est grand. Hein. Je bois un coup, je vous reprends parce qu'il fait trop chaud. C'est une chaleur écrasante. Hein. Et après il a l'attelage remorque, c'est pas mal ça. L'échelle, la galerie, tout, impeccable. Donc là je pourrais prendre ma douche solaire, je vais vous montrer. Ouais. Ça grince, mais tout ce qui grince c'est bon, hein, hein, tout ce qui grince c'est bon, je dirais pas en restant poli, hein, ce que vous pensez. Donc en fait mon idée, donc c'est lié à l'arrière, ça c'est sûr, le chien dessous, je vais faire une séparation, la niche du chien, l'outillage ce côté. Ce que je vais faire, je vais mettre comme un paravent là, qui va se déplier entre les deux portes. Et comme ça, je prendrai ma douche solaire à la galerie. Et comme ça, ça me fait une purée de douche extérieure, les amis. C'est impeccable. Ah, j'ai déjà toutes mes petites idées. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je ne vais pas faire grand-chose dessus. Hein. Enlever l'étagère, hein, puisque voilà, elle me gêne. Enlever l'étagère, mettre un plumard de 140-190. Un lino pour faire propre, la niche, tac tac, et faire, je sais pas, une peinture, refaire une peinture propre, ou je sais pas, ou coller des tableaux, des conneries comme ça. Et au plafond, je vais mettre une toile tendue, comme j'avais fait dans Ulysse et dans le Merco, une toile tendue un peu gaufrée, comme ça, agrafée, parce que voilà quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête sur les camions maintenant. Et puis rien de doux, je pourrais faire une douche et tout, mais pour l'instant ça sera très bien comme ça. Et en plus il y a des LED au plafond, regardez, il y a un interrupteur qui est là, donc hop, bim. Pour ça que je vais mettre une toile tendue, pour que ça donne un peu de lumière, mais bon, ça c'est branché sur la batterie camion quoi.
Enfin voilà, voilà les amis, bon, bah, j'ai du boulot. Hein? Bon, bah, comme d'hab, vous verrez la suite. Au fur et à mesure, hein, les roues en noir, ça c'est sûr, roues en noir. Non, mais après, voilà, puis bon, nettoyer un peu, parce que c'est des camions de chantier, vous voyez. Nettoyer un peu les plastiques, un peu plus propre que ça. Franchement, donc c'est le H2L2, c'est le moyen, il y a le petit et le grand, ça c'est le moyen. Bon, il est assez grand, hein, regardez, pour moi tout seul et mes enfants. Quand je les aurai, on va mettre juste un matelas par terre et on va, pour les vacances, on va vivre vraiment à l'arrache. À l'arrache, mais je serais mieux dans le camion que dans la bagnole. Hein. La bagnole, c'est fini. Hein. La voiture, je la garde. Hein. J'ai décidé de la garder. Hein. Mais je vais tout remettre tout comme il faut, quoi. Enlever les étagères, les rideaux, tout ça. Je vais tout y enlever, remettre les sièges, l'aspirer, mettre nickel propre, et puis voilà, quoi, les amis. Il est au bout de ça, lui. Et voilà, les amis, j'ai enlevé les enjeux, parce qu'il en manquait un. Et puis, moi, je trouve que c'est mieux sans les enjeux. Regardez. Donc, j'ai lavé mes jantes au mieux que je peux pour les peindre en noir. Vous connaissez, j'adore les jantes noires. Donc là, je les ai lavées grand seau d'eau, 2-3 fois. J'ai pas filmé avec du Scott Brite comme ça, alors, couleur vert. Comme ça, ça ponce un peu. Et après, voilà la bombe. Action, hein, c'est pas cher. Et franchement, ça tient. C'est la même peinture que j'ai mis sur la voiture, sur le Merco, de partout. Et moi, je trouve que ça rend bien comme ça, sans les enjeux. Ouais, enfin voilà, hein, chacun son truc. Et ben, je vous montre, voilà, quand c'est fait. Et voilà, c'est en train de sécher. Bon, je pense que c'est sec. Hein. Je vais attaquer par celle-là. Cool. Puis ça fait naf. Et là, je viens de terminer juste maintenant, donc elle doit briller encore un peu, parce que c'est du mat. Snow, il s'est mis là-bas. Elle brille encore un peu, vous voyez. C'est du mat, mais hop, ça va sécher. Oh, j'ai fait une petite couleur, ouais, c'est pas grave. Et là, regardez, là, elle a commencé à sécher. Elle est un peu plus mat. Cool. Bon, ben, ça change de gueule. Moi, j'aime bien. Dites-moi-le en commentaire, mes amis. Il veut jouer. Allez, non. Aïe. Allez, il veut jouer. Allez les amis, je vous laisse. Moi, je range, je finis, j'arrête pour ce soir. Et je reprendrai les travaux demain. Ah si, regardez là. C'est cool, hein. Cool, je suis bien content. Allez, j'espère que c'est le dernier. Après, j'arrête, moi. Parce que, déjà, c'est compliqué pour trouver un véhicule en état. Je transpire comme un bœuf, les amis. C'est hallucinant. On voit pas trop. Bon, allez. Je suis content. Gaëtan est content. On va faire les aventures à la Kikil Nomade. Comme avant, à l'arrache, avec rien, un plumard, un réchaud et le café. Voilà ce qui compte. Après, je sais pas, la galerie, je voulais faire une terrasse en bois, et puis me faire bronzer là-haut, hein? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, tu me diras dans les commentaires aussi. Allez, je te laisse, profite un max, bonne soirée, bon apéro, bonne bouffe, et bonne nuit. Et moi, je te dis, ben, à demain, puisque je reprends les travaux. Ah, on est parti chercher 2-3 fournitures, les amis. Il fait une chaleur à crever de marteau. Oh, le camion, comme il roule bien. Ah, ça change, hein. Ça change des vieux coucou. Direction ultra assistée, les amis. Regardez, petit doigt, là. Enfin bon, je roule. Et bon, j'ai attaqué l'aménagement, enfin, du moins la préparation. Eh ben, j'en chie, hein. Oh là là, que j'en chie. Donc là, il me manque 2-3 petites affaires que je vais aller chercher. Et puis je vous montre, hein, comme d'habitude. On reste ensemble, les amis. Mais il fait une chaleur, ouais, je me répète. Hein. Je sais pas combien de degrés il y a, mais... étouffant. Bon, ben voilà. Allez, moi je vous dis tout à l'heure.
Et profitez, profitez, profitez. Et voilà. Retour de course. Oh, puis non, je vais laisser ouvert. Il fait une chaleur, les amis. Ah, oh, sinon, il en peut plus. Oh, je vais vous montrer aussi un peu le travail que j'ai fait. Allez, snow. Allez, commencez à connaître la maison. Hein. Donc, regardez. Regardez un peu le boulot que j'ai fait. C'était tout collé, les étagères et tout. Regardez, hop. Regardez, on retrouve encore la colle, là, faut que je nettoie. Donc, j'ai enlevé toutes les étagères. J'ai enlevé le capitonnage, là. Il avait tout isolé, hein, une sacrée épaisseur. Regardez, on retrouve l'épaisseur, là. Donc j'ai ouvert, comme ça j'ai pas de fenêtre à ouvrir. Je voulais ouvrir une fenêtre sur la porte, mais non, pour l'instant ça restera comme ça. Le pare-brise me donne un peu de lumière. Puis voilà, donc je vais bien sûr mettre plus propre que ça, hein. Le blanc, tout le blanc là, pour faire moins vilain, je vais le peindre en noir. Et puis de toute façon là il va y avoir un rideau pour me cacher, puis j'ouvrirai le rideau comme à la maison quoi. Donc voilà, et voilà, ça prend forme doucement. Bon coup de nettoyage, frotter, laver, peinture, machin, patati, commander, les lits, machin. Ça fait du boulot, hein, mais je pense que c'est vraiment le dernier que je fais, les amis. Regardez, partout. Donc voilà la coquille qui séparait la cabine là des sièges. Donc j'ai regardé, ça peut se vendre, ça, hein. ça coûte une fortune d'ailleurs. Donc moi je l'ai démonté propre, hein. j'ai rien abîmé, c'est de la tôle, hein. C'est de la tôle feutrée, ça c'est le feutre qui est côté capine, tac, et sinon c'est de la tôle électro-zinguée. Hein. Donc j'ai démonté propre et puis je vais essayer de la vendre. Hein. Elle pèse son poids, j'étais seul pour l'enlever, mais c'est affreux. Puis ça c'est le plaquage qu'il avait rajouté derrière, donc que je garde encore, parce que si je veux taper un bout de machin dedans, voilà. Bon, sinon l'extérieur ça va pas changer à part les roues. Ça, c'est toute l'isolation que j'ai arrachée. Et puis, regardez le paquet de bois que ça m'a fait, d'étagères, regardez. Oh, il y en a, je sais pas quoi. Puis, c'était épais. Regardez, 2 cm au moins. Ça, c'est toutes les étagères. Alors, pareil, je garde, je verrai ce que j'en fais. Hein. Si je peux taper dedans, je tape dedans. Voilà, bon, ben allez, c'est pour aujourd'hui. Je suis claqué. C'est l'heure de l'apéro. Et puis... puis voilà quoi. Et Snow aujourd'hui il n'en pouvait plus. Claqué, mort. On a eu, je sais pas, 34 degrés. Mais sans vent, sans rien. Crevé quoi. Ouais, on fait que se plaindre. Ah, il pleut. Ouais, ça cueille. Ouais, il fait chaud. Ouais, on n'est jamais content. Bon, allez. C'est pas grave, c'est comme ça. Allez, les amis. À demain. Ou à tout à l'heure. Regardez les amis, il y a un défilé de vieux tracteurs qui passent au village. Ah, ils sont je sais pas combien. Je les ai vus trop tard. Ils sont trop beaux, regardez. Ah, ah moi je kiffe les vieux tracteurs. Ah celui-là c'est quoi, un Ferrari ça, non? Oh il est trop beau, regardez. Oh il est trop beau. Oh. Oh, je kiffe. Putain, je suis pas bon là. Putain, il y a ces klaxons. Sur mes corps. Sur mes corps. Sur mes corps. Ah, ils sont trop beaux. Ah, je kiffe. Ah, je vais faire... Oh, lui, il est vieux. Voilà. Ah, Massa Ferguson, mon grand-père, il avait celui-là en 145. Bon, non, lui, il en fait pas partie. Allez, les petits derniers, là. Dudes. Je pense que ça, c'est Ferrari. Porsche. C'est un Porsche. Porsche diesel. Elle Dudes. Oh là 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 là. Oh bah il y en a encore, encore et encore. Massa Ferguson qui arrive. Putain c'est trop beau. Oh
Ah, celui-là, 260. Trop cool. Franchement, les amis, ils étaient beaux, hein. Dis-le dans les commentaires qu'ils étaient beaux. Bon, je vais peut-être finir comme ça, en tracteur, en fait, au final. Nomade tracteur. Ça, c'est pas mieux, enfin, je pense pas. Avec une petite roulotte en bois derrière. J'irai pas vite, mais bon. Passe partout. Non, j'étais pas parti loin. Dès que je pars, il se lève, oui, il est pire. Bon, j'étais en train de faire de la peinture. Donc là, j'y l'avais dépoussiéré. Oh, je trouve que ça fait mieux. Regardez. En noir. Donc je fais les entourages. Tac, tac. Et là, c'était en gris, quoi. En noir, ça fera plus propre. Noir tout le tour, là. Là, je vais faire en noir aussi. Et tout ce qui est blanc. Je crois que je l'avais déjà dit. Tac, tac. Voilà, voilà. Bon, ben, je continue. Après, grand lavage sur les restes. Et peinture au rouleau qu'il faut que j'aille acheter. Bon, allez. En plus, il fait beau. C'est super. Ça, c'est la déchetterie chez moi. Bon, je vais essayer d'y vendre ça. Je sais pas si ça peut se vendre. Une coquille comme ça. Je vais la mettre sur le bon coin pour voir. Je vais la mettre propre, hein, bien sûr. Parce qu'elle est nickel, quoi, elle est neuve. Hein. Bon, je vais essayer, on verra. Bon, on est bien là, on est en mode pique-nique, les amis. Ah, j'ai pris faim. Bon, ben. Voilà, hein, j'ai fait les peintures en noir. Là, là, là. Enfin, bref. Il n'y a plus de peinture. Apéro, les amis. Et puis, j'avais la flemme de cuisiner. Il fait chaud. Et moi, j'aime bien les petites salades. Celle-ci, elle est la mexicaine, les amis. Elle est trop bonne. Pas cher, hein. Regardez, pas cher. Je fais de la pub. Ah, pardon, j'ai un rototo. Non, elle est excellente. Je l'adore, celle-ci. Plein de protéines. C'est bourré de protéines, ça. Bourré, bourré. Enfin, voilà. Donc, bref, j'ai hâte de remuer. Je suppose que je remue. Hein. Bon, bah, après, là, c'est grand nettoyage, lavage à seau d'eau, tout. Et puis, on attaquera la peinture. Hein. Puis, voilà. Je vous en dis pas plus, les amis. Snow, il est claqué avec cette chaleur, là. Il se tient à l'ombre, là-bas, regardez. Et puis, grand nettoyage du camion, quoi, comme d'hab, hein. Parce que j'ai encore tous les planchers à faire propre. Voilà, bon. Et puis, j'aurai un bon coup de déchetterie à faire aussi. Hein. Ouais. Je sais pas si je la garde, les amis. Je réfléchis, mais... Ouf. Parce que il va tellement bien conduire, ce camion, là. Ça se conduit comme une bagnole, en fait, au final. Et je vais voir, en fait. Je vous dis ça, mais j'en sors rien. Bref, allez, j'ai faim, j'ai une dalle. Profitez à max. Miam, miam. Eh ben, aujourd'hui, c'est pas ça, les amis. Oh là là. Ça a pété toute la nuit, des orages de fou furieux. Snow, il avait peur, je sais pas ce qu'il faisait là-bas derrière, il s'était emmêlé dans la ferraille. Enfin, dans les bordels. Mais ça pleut, c'est parti pour toute la journée. Depuis hier soir, ça a commencé. Mais c'est du n'importe quoi. C'est des orages de fou furieux. Ça a grêlé. Bon, des petits grêlons, heureusement. Pff, du coup, là, j'ai laissé là. Je pensais pas que ça allait faire un orage. C'est tout trempé. Je pense que c'est tout foutu. Je peux tout jeter à la benne. Pff, ça caille. Hein. Putain, on a dû perdre 10-12 degrés, là, je sais pas. Mais ça caille. Bon, les Kawa, ben, il n'y aura pas de balade. Pas ce matin en tout cas. Allez, on va remettre la veste. Ah, regardez ce qu'il a fait, Snow. Putain, il a bouffé tous les papiers. J'en ai marre. Putain, il veut plus rester 5 minutes seul dans le bordel. Putain, il a mis des poils de partout. Ah, je supporte plus les poils, je vous jure. Il mue à plein et les poils qui volent sur le volant, le pommeau de vitesse, le tableau de bord, je peux plus ça. C'est pas que j'aime pas les poils, mais sur un véhicule, non. C'est pour ça, regardez, il a bouffé toutes mes barres protéines, enfin les papiers, hein. C'était vide, mais il a pris dans le sac poubelle que je devais emmener à la déchetterie, quoi. Enfin, à la poubelle, quoi.
Putain, 5 minutes. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Putain, j'ai du nettoyage à faire. Bon, bah, de toute façon, là, ça y est, les orages enfin disparu. Je vais tout démonter. Les rideaux, machin, aspirer propre la voiture. Parce que moi, je peux pas. Je peux pas avoir des poils comme ça de partout. C'est pour ça, vivement, que lui, soit fini. Et il aura sa niche à l'arrière et vraiment nulle part autre. Chacun sa place. Voilà, comme on dit. Hein? Cette nuit, c'est pareil. Alors, voilà, les orages, hein, je pense. Il a eu peur, je sais pas ce qu'il a fait, regardez. Il a été coincé en pleine nuit. À 3h du matin, j'étais obligé de le sortir. Regardez, les touffes de poils qu'il a laissées. Regardez, sur le mur. Vous voyez, hein? Regardez. Il a passé loin, il s'est coincé. Des poils de partout. Alors, qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Je sais pas, une bête qui est passée, j'en sais rien. Il a foutu le bordel toute la nuit. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, va te cacher! Y'en a marre! Il a chié de partout en plus, là. Et tu dis, il chie pas. Il chie en balade. Ouais, partout. Il tire les mouches. Après, il y a le bordel. Bon, allez, sur ce. C'est passé, c'est fait. Hein? Bah oui. Oui. Et maintenant, il fait le beau. Hein, Snow fait le beau. Bon, les apéros, les amis. Hein? Midi. Hein? Bah, je viens d'apprendre quelque chose, les amis. Vous savez quoi? En fait, cette nuit, vous savez que c'était un orage, mais je pense que c'était régional. Enfin, je sais pas. Hein. Moi, j'ai eu juste de la pluie, voilà, des fortes pluies. Il n'y avait même pas de vent. Et puis, allez, une minute ou 30 secondes de petits grêlons comme ça. Et là, je viens d'apprendre que dans le village, juste au-dessus, là, dans le village, ça a emporté, il y a eu une tornade, ça a emporté toute la toiture de la maison de retraite. C'est pour ça que j'écoutais les pompiers à je ne sais pas quelle heure du soir. Il n'y a plus de toiture, il y a eu un micro-cyclone, enfin une micro-tornade, pardon. Donc comme quoi, voilà, on est amené à des risques. Après, moi, je trouve que, franchement, je pense pas que ça arrive. Enfin, je croise les doigts. Hein. Mais je suis dans un trou, hein, une cuvette, et du coup, c'est vrai que le vent, j'ai jamais bien de vent ici. Hein. Très peu, quoi. C'est pas des rafales, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bon, moi, j'ai pris faim. Alors, regardez ce que je vais me faire. Ah, c'est sur les pieds, hein, avant de rentrer chez moi. Ouais, je me suis acheté ça, ouais. J'avais envie de viande. Des beefsteaks à griller, là. Je vais me le faire saignant. C'est quand même pas donné, hein. Parce que franchement, c'est pas gros, vous voyez, hein. C'est tout petit, hein. Là, il y en a deux. Donc ça veut dire que c'est quasi 2 euros pièce. Hein. Heureusement que je mange pas beaucoup, hein. Voilà. J'en prends un pour midi et un pour ce soir. Donc voilà mon repas à 2 euros. Plus une petite bière, comme ça, qui coûte 1 euro. Voilà, un repas à 3 euros. Et puis voilà. Voilà, voilà, les amis. Et maintenant, le soleil, il pique la peau. C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, ben, comme j'ai pas pu faire la balade de Snow ce matin à cause de des pluies, après manger, on va faire la balade quand même. Vite fait. Puis, si j'ai le goût, attaquer la peinture. Parce que c'est, j'ai ma peinture, mais je vous montre pas. Vous verrez quand ça sera fini. Hein? Wow. Oui, qu'est-ce que t'as fait, toi, dans la voiture encore? Et cette nuit, là? Oh! Tu vas te calmer? Quel malheureux. Oh, qu'il est malheureux, quelqu'un. Oh, qu'il est malheureux. Oh, donne la patte. Donne la patte. Bonjour. Bonjour, les Yamounais. Qu'est-ce que vous voulez engueuler une peluche comme ça? Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, les amis, je vous montre l'aménagement. Enfin, l'aménagement. Première peinture. Allez, je vous montre.
Ah ben non. Prochaine vidéo. Oh, on me voit. Coucou. Non, prochaine vidéo. Voir prochaine. Je le montrerai quand c'était fini. Et qu'est-ce que tu fais toi? Dingoula, hein? Bon allez, je suis en train de préparer la bouffe, moi. Hein? Un petit truc vite fait, quoi. Alors, ce soir, c'est chips fait maison. Enfin, chips, patates. J'ai coupé une patate. Alors, comment je procède? Je l'ai coupé en petites rondelles très fines pour que ça cuise très vite. Sopalin et spongé au maximum. Donc là, c'est la deuxième partie. Hein. J'ai déjà fait une partie. Maintenant, je fais la deuxième. Et puis, mon deuxième... Oh, il a failli tomber par terre. Mon deuxième beef tack qui est mariné aux herbes, machin, tac-tac, viande d'ox, tout ce que vous voulez, qui est mariné depuis midi. Et là, on avait le soir, il est 20h, je crois. Donc voilà mon petit repas de ce soir. Je vais commencer par les patates, les faire rissoler. Et après, saignant et terminé. Bien sûr, pas oublier l'apéro. Donc les petites épices, je pense que je vais mettre celle-ci. Celle-ci, franchement, c'est une tuerie. Franchement, les amis, je vous les recommande, ces épices venant de chez Action. Oui, je fais de la pub, c'est pas grave, tant pis. Celle-ci, c'est une tuerie pour les viandes, les patates, les pâtes, le riz, enfin tout ce que vous voulez. Quoi. Je mets ça de partout. J'ai même plus besoin de saler. Moi. Voilà, voilà, les amis. Bon, ben, je vous souhaite bon apéro, bon appétit. À demain. Bonne nuit. Je sais pas où la vidéo elle en est. En tout cas, on a retrouvé le soleil. Et puis, je sais pas s'il y aura une fin de vidéo avec du drone, puisque je suis en plein aménagement de camion. Donc, je verrai. Surprise! Allez, profite un max! Et toi, qu'est-ce que tu miaules? Patates, moi je les entoure comme ça là, je les enroule carrément, hop, pour enlever le maximum de gras, dans double feuille, tac, 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 bon, j'en mets un peu de partout, c'est pas grave, et voilà. Regardez tout le gras qui est resté sur la... Voilà. Bon. Voilà. Tac. Ça. Protéines, glucides, très sain. Bon allez, apéro et profitez un max. La vidéo, je pense qu'elle va s'arrêter bientôt. Petite pause, les amis. Il y a des vaches. J'aime bien voir les vaches. Bon. Il fait un peu frais. Ça y est. Enfin. Le soleil pique. Et là, on s'est mis à l'ombre. Un peu câble. Un peu dur de l'apéro. On va sortir Snow. Et puis voilà quoi. Sinon, ben moi, je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Ça y est. Hein. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Donc, ben, abonne-toi si c'est toujours pas fin. Hein. Ça fait plaisir, la chaîne elle évolue. Je suis vraiment ultra content. Hein. Et puis, fais des partages. C'est surtout les partages aussi, les amis, je vous ai dit. Petit commentaire qui va bien. Et puis voilà quoi. Hein. On reste ensemble pour la prochaine aventure. Bon, ouais, mais j'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Et puis, voilà, les amis. Bon. Profite à max, et puis il faut que j'arrête de dire et puis.